supporters de la Juventus Turin pour ce huitième de finale aller de la Ligue des Champions et tout un stade qui a envie de reprendre cet hymne. Le public, les supporters sont au rendez-vous. Christian, vous l'avez dit, Memphis Depay, le meilleur joueur de cette équipe, est absent. Et bien, à lui de prendre les rênes, les clés du jeu de l'Olympique Lyonnais, il en est capable. À lui de se transcender aussi et puis d'amener toute une équipe avec un public qui est fantastique. Vraiment, on a eu des frissons sur lui. Ouais, ça décoiffe. L'ambiance est au maximum ce soir pour ce huitième de finale aller de la Ligue des Champions. La Juventus, ce soir Lyon doit se surpasser, aller plus haut. Alexandro, Cristiano Ronaldo, le crochet, Cristiano Ronaldo, la petite passe par-dessus. Oui. Oh, c'était pas vraiment un centre pour Cuadrado, c'était plus une piquée pour Lobé. On cherche Toko Ekambi. Oh, la transversale. Oh, elle était belle cette tête croisée de la part de Toko Ekambi. Ce bon ballon pour Dubois, le centre, premier poteau. De Ligt qui devance Dembélé. Ah ouais, mais c'est quasiment parfait. Cristiano Ronaldo. Il ne doit pas le laisser là, il ne doit pas le laisser. Il réussit à centrer, il est débattu à Dompès, dégagé. Ce ballon derrière par Cornet. Pour les Lyonnais, maintenant Coquet est à la réception du centre de Cristiano Ronaldo. Ça c'est Brésil. Alexandro. En arrière, voilà, Marcelo. Attention. Oh là là, encore carton jaune. Rado. On joue vite la touche avec Cornet. Aouar est passé. Aouar a fait la différence pour le ballon en retrait. Magnifique, magnifique. On l'avait dit avant le match, Jeannot, le maître à jouer aujourd'hui, c'est Aouar. Et c'est lui qui fait une différence sur le côté gauche. Il a enrhumé cette défense de la Juve. Cristiano Ronaldo, la frappe enroulée et à côté. Ouais, mais pour aller chercher Rabiot qui touche le ballon, mais c'est pas... Il a trop attendu, il faut assister à frapper. Ouais, pourquoi pas. Il n'y a pas trop... Dembélé et Aouar avec Guimarães. La frappe enroulée dans les gants. Son rôle de défenseur central. C'est la mi-temps au Parc OL avec l'Olympique Lyonnais qui mène 1-0 grâce à Lucas Touzard à la 31e minute sur un superbe centre d'Oussem Aouar. De retour au Parc OL pour la deuxième période de ce 8e de finale de Ligue des Champions. L'OL mène 1-0 face à la Juve. Il faut tenir, il faut faire mieux. Aouar, ouais. Oh, le contrôle impeccable. Allez, Touzard, enchaînement. Et Touzard, ouais, c'est bien fait, Guimarães qui régale face à Cuadrado, il est un peu seul. Bien joué. Et il continue, c'est bien fait avec Touzard. Voilà, ça... Vers la surface de réparation de Lopez. Dybala. Dybala. Ouais, il arrivait, c'était fait oublier. À deux. Ouais, c'est bien, avec le ballon dégagé. Dybala. Hoppa. Au-dessus. Le centre de Danilo, la tête d'Higuain. Match. Et le virage nord avec les Badgon qui donne de la voix, qui demande à ce que tout le reste du stade, voilà. Voilà le message. Et tout le stade qui suit derrière. Satisfait. Ramsey, attention pour Cristiano Ronaldo. Attention à la poussette. Ouh, la poussette. Il va falloir serrer les dents, serrer. Dybala pour Higuain.
Ouais, ils sont pas bien, les Lyonnais, ils sont pas bien. Et pourtant, ouais, il a raison, Lopez, il faut les bouger. Alexandro dans la boîte encore. Cristiano Ronaldo à côté. Tellement il est allé haut, il a percuté sans Marseille. Il a dégagé des deux points. Allez, haut. Et l'arbitre qui va siffler la fin du match. C'est terminé. Exploit de l'Olympique Lyonnais dans ce match. Allez, les huitièmes de finale. Lyon n'avait jamais battu la Juve. C'est fait. La Juve n'avait pas perdu un match en Ligue des Champions cette saison. C'est fait. Jérôme, ils ont fait le métier, ils ont fait le boulot. Exactement. Non, non, mais on est satisfait. Dame du match, Oussem, vous avez le trophée d'homme du match. C'est la première fois pour un joueur français en Ligue des Champions. Ça a été mis en place cette saison. Votre prestation ce soir, une prestation XXL. Ouais, honnêtement, je vais retenir la prestation de l'équipe, bien entendu. Avant le match, bien sûr qu'on a entendu qu'on n'était pas du tout favori, à juste titre. Mais nous, voilà, on a toujours cru qu'on pouvait déstabiliser cette équipe de la Juve et faire beaucoup mieux. Donc forcément, on l'a fait avec beaucoup d'envie, beaucoup d'abnégation. Et aujourd'hui, voilà, on a fait un très bon match. Et en tout cas, il reste un deuxième match. Donc il ne faut pas du tout s'enflammer. Rien n'est fait encore. Oussem, quand on parle de prestations XXL de votre part, mais celle aussi de tous les joueurs de l'Olympique Lyonnais ce soir, une prestation incroyable collectivement. On a vu de la solidarité, de la combativité. On a tout vu côté lyonnais. Ouais, honnêtement, c'est ce qu'il faut dans ce genre de match, surtout avec une face à une grande équipe. Donc voilà, on a mis tous les ingrédients qu'il fallait et forcément on revient avec la victoire. Mais en tout cas, comme je l'ai dit, c'est qu'un match aller, rien n'est fait. Là-bas, ça va être très compliqué, mais on va y aller avec beaucoup d'ambition et surtout pas pour garder le résultat. Comment faire pour réitérer cette prestation, cette performance collective dans quelques semaines face à la Juve? Écoutez, d'abord, il va falloir vite se replonger dans le championnat parce que c'est là où il nous faut des points, énormément de points. Après, voilà, ça sera une bonne préparation. Et puis, comme je l'ai dit, on ne va pas y aller là-bas en tant que victime. On va bien entendu jouer notre jeu comme on l'a fait notamment en première mi-temps. Je pense qu'en deuxième, ça a été un peu plus compliqué pour nous. Mais voilà, on va y aller là-bas avec beaucoup de confiance et d'envie. Merci beaucoup, Sam. Un beau combat, une belle solidarité, un public qui a joué le jeu aussi. Dans quelques instants, avec Jean-Baptiste Boursier, avec la Dream Team d'RMC Sport, on débriefe ce match avec vous également, Jérôme Rotten. Et à très vite, bien évidemment, et appréciez surtout ce match aller. Allez, bonne soirée. Bonne soirée.